Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite session. Voilà, on va essayer de faire du poisson. Donc là, on est un peu plus sur un secteur urbain par rapport à hier, donc l'ouverture bar. Là, on est le deuxième jour, le mardi 12 mai. Puis bah, je vais essayer de faire quelques poissons avec des petits leurres, là, en pêche à gratter. J'ai remarqué qu'hier, ils étaient pas mal situés au fond, les bars. Donc on va voir si sur ce spot également, ils sont situés au fond ou ils sont un petit peu montés dans les hauteurs d'eau. Je vais commencer, pas en surface parce qu'on est encore un peu trop tôt dans la saison, mais je vais commencer un petit peu au poisson nageur. Donc des petits poissons nageurs de type Gunky Gamera, des trucs comme ça qui font entre 5 et 7 cm, vraiment pour on va dire énerver un petit peu les poissons. Et si je vois que ça fait pas réagir, je passerai au fond avec des petits leurres à gratter comme des petits Black Minnow, des petits One Up, des petits Optimus, peut-être le Dark Sleeper, je vais essayer. Et également, je vais essayer le crank. Voilà, j'ai acheté un petit crank, je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Puis bah, on se retrouve, c'est du poisson. Allez, ciao, ciao. Voilà, comme je vous ai dit, les gars, je vais commencer avec un petit poisson nageur. Bon, donc là, c'est un poisson nageur que j'avais à la base pour la truite, le Gunky Gamera 63. HW, donc il est coulant, donc ça c'est cool. Ça fait que je vais pouvoir un peu prospecter toutes les zones pour voir si même au fond il y a des poissons actifs. Et s'ils sont pas trop actifs, bah, j'irai les débusquer avec des petits leurres souples en grattant tout doucement avec des petites animations. Mais il y a encore un peu de vent, donc ça va être un peu tendu, mais bon. On va essayer de se débrouiller, on va voir comment ça va. Allez, let's go. Premier lancer. Ça le sens malgré tout assez loin. Bon les gars, j'ai pas trop de résultats au poisson nageur. On va passer au crank. Et si j'arrive au crank, bah, je vais un petit peu gratter au leur souple. Voilà les gars, je viens de changer de leurre. Hop, on va passer sur le petit B-switcher. Voilà, 3.0 en silencieux, en blanc. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a des poissons actifs sur les petites remontées du canal. Petite cassure là, ça te fait le fond et ensuite ça fait les petites remontées. Je vais venir taper les bordures comme ça avec le crank et on verra si ça décide les poissons qui sont postés là, parce qu'il y en a souvent ici qui sont postés. Il travaille bien dans la canne en tout cas le petit crank. Bon, pas de résultat au crank. On va ensuite passer sur la dernière famille de leurres, on va dire, pour compléter le pattern. C'est les petits leurres souples. Je vais gratter avec un petit Black Minnow là. Voilà, on va passer avec un petit Black Minnow pour aller gratter au fond. On va voir s'il y a quelques poissons qui traînent. C'est la pêche que je préfère, hein, clairement. La pêche à gratter, j'aime bien les pêches tactiles, enfin je trouve que c'est assez tactile comme pêche et j'aime bien attendre là, tu tapes, bam, à la descente. En plus j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça c'est nickel. On serre un peu le frein. Bien joué! Nice! Bouge pas, je vais te le chercher en bas, ça te va. Je te mets ta tresse. Nickel ça! Nickel! Bien joué ça! Impeccable! Bon bah du coup, t'ouvres ton compteur toi! Wouhou! Oh, je suis gaze. Je te jure.
Je me prends une tape de l'espace et j'arrive même pas à la ferrer. Fiche. Ah, décroche, je crois. Ah merde, je décroche. Dommage, en plus c'est Dark Sleeper. Dégoûté. Fiche! Oh, il est beau! Il est joli! Il est joli! Enfin, peut-être pas. Ça fait longtemps que j'en ai eu un sur cette canne, c'est pour ça. Ouais, je pense qu'il a moyen d'être joli. Non, One Up Slim. Ah, sur cette canne-là, ça fait longtemps que je l'ai eu, donc en fait. Non, il est taille correcte. Oh non, il est même petit en fait. Ah, il est piqué sur le teco, c'est pour ça. Eh, sur cette canne là, tu vois, c'est là que tu te rends compte en fonction de la puissance de la canne, les sensations sont différentes. Puis je l'ai avec la petite canne derrière là. Nickel. Piqué bord de gueule. Viens parler à mon petit gars. Hop là. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Impeccable. Bon, allez, bisous. C'est bon? Yes. Nickel. Merci. Et nickel en plus avec la petite GoPro là, impeccable. Voilà, donc c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai fait un petit poisson. Et puis j'ai loupé énormément de tapes, au moins 5 ou 6. Et j'ai décroché un poisson au Dark Sleeper. Voilà. Mais j'ai loupé pas mal de tapes au Dark Sleeper d'ailleurs. Mais bon, au moins j'ai fait mon poisson. Donc ça me fait plaisir en début de saison. Et puis d'avoir eu des tapes, c'est des signes de vie. Donc ça veut dire que les barres sont revenues. Ça fait plaisir. Voilà, voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao, ciao.